vraiment un projet vraiment génial pour les enfants. La plupart des enfants qui viennent, ils adorent ça, mais c'est un peu difficile avec les tout petits parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Mm-hmm. Mais n'empêche que quand on fait des activités qui leur conviennent, comme lire un livre avec des animaux dedans, après ça, imiter des sons sur Internet que les animaux font, je trouve qu'ils participent quand même assez très bien sur ces activités. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'avancée avec son livre. Au début, les gens, on s'est dit, oh, les jeux vont trouver ça trop long, j'ai pas promis. Mais au final, quand au début, ils veulent pas, on dit, oh, là, faut les lire, oh, c'est plus ou moins intéressé. Mais dès qu'on sort les bacs, là, ils prennent des livres et ils lisent. Et c'est calme, genre, il y a pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est pas, mettons, c'est genre, tu les vois tout le temps en train d'échanger, puis ils en finissent un, puis ils s'en vont en chercher un autre. Pour moi, j'aime cette activité-là avec les enfants. Et en plus, j'ai le temps pour lire. Pour chercher les mots, c'est mieux pour améliorer mon français aussi. Je trouve ça, c'est plus de pratique. Mm-hmm. Oui, pour moi. J'aime ça. J'attends chaque jeudi. Oui, c'est vrai. Fais vivre les livres. Il s'agit d'un beau projet communautaire mené à bien par Collège Frontières Sherbrooke sur le terrain. Fais vivre les livres, c'est donc un projet où on a pu former pendant 2 heures chaque animatrice. En fait, des gens qui étaient intéressés à apprendre comment animer la lecture auprès des enfants 0, 5 ans et 6, 11 ans. Dans leur milieu, donc vraiment dans leurs locaux communautaires en fait, ils animaient des ateliers de lecture, rémunérés de 2 heures par semaine pendant une dizaine d'ateliers, parfois un peu plus, pendant tout le printemps 2018 à Sherbrooke.